Des cloches du couvent, le bruit lent se balance. Et de la tour grisâtre habitant le silence, le nocturne hibou prend la fuite en criant. Et chacun s'inquiète, et d'un cœur suppliant, on écoute chanter ses vêpres et ses psaumes, que l'on chante aux élus des célestes royaumes, comme à ceux qui bientôt vont entrer dans la mort. Un homme va partir, et la voix du remords semble par le tocsin parler à son arrêt. Un pieux confesseur l'exhorte et le conseille. Quel spectacle! Un guerrier à genoux, le col nu, d'un vieux moine écoutant le bréviaire inconnu, pour la première fois répond à la prière. Préparant avec soin sa fête meurtrière, on voit près du bio qu'il couvre d'un drap noir, le bourreau d'un coup sûr qui médite l'espoir, et qui d'un nouveau fer et orné sa hache, regarde s'il vacille entre une double attache, autour de cette scène un cercle de soldats. Hugo, d'un œil serein, voit venir son trépas, contemple l'échafaud et le ciel qui pardonne. Puis méprisant des yeux tout ce qui l'environne, il observe le peuple en tumulte rangé, pour voir mourir un fils que son père a jugé.